Hello YouTube, hello tout le monde, aujourd'hui on se trouve avec ChopChop, on est parti pour faire un petit tutoriel sur les fonctions de base qu'il y a sur ce jeu. Quand vous allez débarquer, il y aura plein de petits trucs, vous serez là, what the fuck, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que c'est? Bah là je vais tout vous expliquer, comme ça, lorsque vous commencerez à jouer, vous saurez déjà à quoi sert chaque item, comment on fonctionne, si à la fin gérer, etc, etc, etc. On va commencer par le début, donc au début vous aurez une arme, elle vous servira à vous battre. Pour plus d'informations, allez voir mon tutoriel combat. Vous aurez aussi un pistolet. Donc ça c'est les choses que vous trouverez toutes les informations dans mon tutoriel combat. Évidemment, les armes servent à combattre. Là où ça devient intéressant dans ce tutoriel, c'est regarder tous les objets. Voilà, alors, nous avons ici une boussole. Voilà. Sur PC, vous devez appuyer sur A enfoncé pour faire apparaître l'inventaire. Donc la boussole vous dira tout simplement si vous êtes au nord, au sud, au ouest, à l'ouest. À savoir que lorsque vous quittez votre bateau, regardez toujours dans quelle position vous êtes. Parce que des fois, les îles sont assez grandes et vous vous perdez, vous oubliez où était votre bateau. Donc pour revenir en arrière, vous n'avez qu'à prendre la direction d'où était votre bateau. Voilà, ça c'est important. Ensuite, ben, ça vous permet aussi de repérer par rapport à un trésor, où est-ce qu'il est, si je regarde la map d'un trésor, ou des trucs comme ça. Donc du coup, très important d'utiliser cette boussole régulièrement, surtout lorsque vous faites la navigation. L'autre truc important à savoir, c'est le saut. Donc quand votre bateau est percé, il faudra enlever l'eau les gars. Donc ça, c'est surtout en équipe. Hein. En équipe, il y aura un mec qui sera vraiment dédié à faire ça, voire deux. Pendant que les autres réparent avec les planches en bois. Donc voilà, votre saut qui va vous servir à enlever l'eau. S'il n'y a pas d'eau, ben, ça ne vous servira à rien. Sinon, ça va vous servir surtout dans le bateau ou pour éteindre un feu, etc. etc. Voilà, donc là, je pense pas que ça marche. Non. Si, ouais, non, pas là, mais ça peut vous servir. Voilà. Du coup, ensuite, nous avons la lanterne. Donc la lanterne va vous servir donc à éclairer de nuit. Si vous appuyez clic droite, elle va se soulever, vous aurez une meilleure visibilité. En plus de ça, il faut savoir qu'elle a une durée illimitée, donc vous pourrez utiliser la lanterne autant que vous le voulez. Il ne faut pas vous dire, oh merde, je vais la ranger parce que ce moment, elle va s'éteindre. Non, vous avez votre lanterne, vous verrez tout ce qu'il faut de nuit. A savoir que lorsque vous avez la lanterne, faites attention parce que vous n'avez pas votre épée. Donc si un ennemi qui arrive pas surprise, vous pouvez vous faire attaquer. Ensuite, vous avez la pelle. La pelle vous servira donc à creuser. C'est son utilité de base, elle vous permettra donc de trouver des trésors. En général, quand vous cherchez un trésor, vous aurez une carte, mais qui sait, peut-être que vous avez vraiment beaucoup de chance et résolu une énigme que vous tomberez sur un trésor par surprise. Votre item, c'est la lunette qui vous permettra donc de voir au loin. Elle vous servira surtout pour voir si des bateaux approchent pour voler votre trésor, parce que c'est à utiliser souvent. Voilà, la personnage qui est dédiée d'être au sommet du mât et surveiller si des ennemis s'approchent. Elle vous servira aussi pour essayer de repérer des îles. En tout cas, voilà. Vous saurez qu'il y en aura plusieurs que vous pouvez retrouver dans le shop, mais ça, on regardera sur un autre tutoriel. L'autre item que vous avez donc dans votre inventaire, c'est les boulets de canon. Vous pouvez les ramasser un peu partout dans le jeu, et puis après vous les stockez dans votre bateau. Ensuite, vous avez les bananes qui vous permettront de vous soigner, et les planches qui vous permettront de réparer votre bateau. Voilà. Donc ça, c'est pour l'inventaire de base. Vous aurez ensuite les choses plus RP. Ça, c'est pour vous bourrer la gueule. Je vais pas le faire maintenant parce que mon type il va être vraiment déchiré. Je le ferai en fin du tuto. Ça, c'est la montre qui va vous indiquer quand il fera nuit. Très utile. Pas assez utilisé, les gars. Vous pouvez en plus la montrer à vos alliés. Hein. Parenthèse. Hein. Alors, les gars, regardez l'heure. Voilà. Et du coup, très utile la montre parce que je vous déconseille de partir en expédition la nuit. C'est différent. Quand on partait en expédition, c'est possible que pendant l'expédition, il y ait la nuit qui tombe. Moi, je vous conseille de rester sur l'île et d'attendre que le jour débarque parce que la nuit, vous voyez vraiment que dalle et c'est le gros bordel. Et en plus, si vous tapez la nuit une tempête, là, c'est la mort. C'est la méga mort. Donc, je vous conseille vraiment de surveiller l'heure et si c'est la nuit, bah, passez la nuit sur l'île et partez au tôt le matin. Vraiment, mettez un petit peu d'RP en plus, c'est vraiment sympa. Ensuite, item vraiment RP. Voilà. Cet instrument qui vous permettra de faire de la belle musique. Super. Super sympa, moi j'aime bien le truc qui met des choses RP comme ça. Et là vous aurez un autre instrument. Donc ça, si je dis pas de bêtises, c'est une vieille à roue. Et ça c'est un accordéon. Enfin, une muse, je dirais plutôt ça. Voilà. Super sympa, super sympa. Rien à redire. C'est gratuit, c'est cadeau, voilà. Et donc ici vous aurez le bourrage de gueule qui risque de vous faire mal. Voilà les gars. Et je vous assure vous êtes vraiment déchiré. Hein. Vous allez vous en rendre compte que votre personnage est déchiré d'une puissance. Que je vous déconseille d'être sur le bateau comme ça parce que vous risquez vraiment de vous péter la gueule. Voilà, vous voyez. Si vous êtes bourré sur le bateau, vous risquez vraiment de tomber à l'eau.
Voilà. Donc voilà les amis, c'était vraiment un petit tutoriel sur les bases des bases, je le rappelle, pour les choses importantes, utilisez toujours votre boussole lorsque vous naviguez. La lampe de poche, elle ne se s'use pas, elle a du fuel à l'infini. Le seau, lorsque vous faites attaquer, c'est pour vider l'eau. Les bananes pour vous soigner. Prenez des stocks de boulets, ne gardez pas sur vous, mettez-les dans le bateau, puis quand il y a une attaque, ben, vous faites le stock sur vous et vous attaquez. Réparer le bateau, trouver des trésors, voir au loin. L'heure important, naviguer le matin. RP, RP, RP. Voilà. Et au fur et à mesure, vous aurez d'autres équipements. Mais ça, on fera le tour dans un autre tutoriel sur le shop, les amis. Gros bisous, mes poussins. À la prochaine. Ciao, ciao.